Allez, tu vas gagner! Vas-y, Marc! Mon Pokémon est plus fort que le tien. Bien joué! Toutes les cartes sont à moi. Mais elles appartiennent à Pikachu et Salamèche. Pika Pika! Vous êtes des intellos, en fait! Un joli duo de losers de Pokémon. Ils sont trop cruels! Loser! Retournez dans votre Pokéball, bande de ringards! Fuyons! C'était trop méchant! Je vais devoir manger pour évacuer mon stress. Ça peut pas continuer comme ça. Faut qu'on arrange les choses. On doit ressembler à nos cartes. C'est impossible! Mais si, sèche tes larmes! On va tout déchirer. Pika Pika! J'ai 100 dollars. C'est notre budget. Adieu, bébé lion. Ça suffit? 199. Oh, on a 200 dollars! Un aspirateur à boutons. On va essayer. Que l'infirmière Joël soit avec moi. Oh, je me fais aspirer! Heureusement que j'ai pas de bouton. Mais j'ai des points noirs sur le nez. Mais ça, ça peut s'arranger. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un patch pour le nez. On va laisser poser un peu. Ça a laissé des rougeurs. Je ressemble à une coccinelle. J'ai besoin de patchs anti-acné. Pas des patchs ordinaires, mais des patchs Pokéball. Trop cool! C'est délire! C'est l'heure! Erdeg! Mon visage est impeccable. Le mien aussi. On va se mettre des masques maintenant. Ah, qu'est-ce qu'on est bien! Il me faut ces cartes Pokémon. Elles devraient être dans le coin. Oups! Qui est là? C'est toi, Salamèche! What? Ma Salamèche est ici! Les amis, vous avez vu qui est entré dans notre chambre? Dites-le nous en commentaire! Il est temps d'enlever les masques! Ma peau est si lisse! Hé, hey, t'as un monopoké sourcil! Et toi, t'as des méga cernes! Oh non! Un monopoké sourcil! Mes cernes sont aussi sombres que le mâle. Pince à épiler? Patch pour les yeux? On échange! Super! La peau sous mes yeux est éclatante. Mais j'ai le visage tout affaissé. La gravité est vraiment cruelle. Je vais me faire un massage du visage. Hé, hey, Pikachu! T'as aussi besoin d'un massage, je crois. Pourquoi? Non! T'as déjà un triple menton. J'évolue, c'est tout. Arrête les chips et prends plutôt ce masseur. Bye bye, double menton. Alors, je suis plus jolie maintenant? Pas assez, j'ai de la cire. Oh là là là! Les cartes! Tiens-toi prête. Dans tes rêves. Oh yes. Nom d'un Pokémon. Comment ça se fait qu'il soit là, lui? T'es sûr que t'es une souris et pas un ours? Pourquoi il y a une carte ici? Hey, c'est quoi sur tes pattes? Elles sont toutes sèches! Aide-moi! T'inquiète pas, j'ai un masque spécial pour les mains. Tiens! Wow. On passe au maquillage. Ce sérum va hydrater notre peau. Fond de teint,
Retouche. Contouring. Anti-cerne. Picané. Charmance à la mèche. On blende le tout. Blush. Hydratation des lèvres. Brossage des sourcils. Du scotch pour un maquillage bien droit. Du fard jaune. Du fard orange. On ajoute une touche de couleur. Du brillant. Eyeliner. Et on termine par les cils. Rouge à lèvres, à vous de jouer. Wow. Tiens, nos rouges à lèvres. Un rouge à lèvres Pikachu et un rouge à lèvres Salamèche. On est prête à conquérir le monde des Pokémon. On peut y aller. Attends, t'iras nulle part avec cette tenue. Aucune chance. On va se commander une nouvelle garde-robe. La Pokéball! Tout le monde, bougez de là, je vais jouer. Alors, qu'est-ce que t'as? Joue contre moi et tu verras. Pokémon, go! Regarde qui est dans ma Pokéball. Alors c'est ça ton Pokémon puissant, Marc? Il attaque à coups de rouge à lèvres? Arrêtez de ricaner comme ça! Ma Pokéball? Elle est dans un paquet de chips maintenant? J'ai hâte qu'on se change. Je vais choisir quelque chose. Non. Oh, ça pourrait le faire! Cette jupe? Avec ce haut. Wow. Magnifique! Mais il manque encore quelque chose. Une queue et des oreilles. Je t'en dois une, Salamèche. À ton tour maintenant. Ok, je crois que... Et c'est tout ça. C'est toutes mes cartes. Alors, c'est qui le dresseur de Pokémon le plus cool de l'université? Nom d'un Pokémon? C'est qui ça? Coucou toi, tu nous reconnais? Pika Pika! Wow. C'est Pikachu et Salamèche! Elles sont trop classe! Et mes cartes alors? Vous avez vu? J'ai Bulbizarre et Miaouss! Pourquoi ça vous intéresse pas? Je parie que tu veux nos cartes! Oh, wow. Les amis, regardez, j'ai leurs cartes! Vous faites même pas attention à moi! On doit filer! Vous serez à moi! Les Pokéballs! C'est qui ça? On descend, nous voilà! D'où elles sortent? Des aliens! Pas d'inquiétude, tout va bien. Je vais faire des courses. Ça me paraît pas mal. Il est temps de rentrer à la maison. Et c'est pas gratuit, hein? Le portail s'est refermé! Cliente suivante. On arrive! Je suis là. Désolée pour le chaos qu'on a causé. On sera généreuse. Et qu'est-ce que je suis censée faire avec cet argent bidon? Ça, c'est de vrais billets. Vous ne m'aurez pas comme ça. Quittez mon magasin! Quel psychopathe, celui-là! Il nous faut un plan. Des chips! Ça s'appelle du vol, ça! Qui sait maintenant? Comment t'as fait pour sortir avec ces chips? Elles font que de se disputer. Essaie plutôt d'ouvrir le portail pour qu'on retourne à la maison. Oh non, ça marche pas! On va être coincé ici pour toujours! Suivez-moi! Une chambre à louer? On a de la chance! Bonjour! On a besoin de cette chambre. Vous pouvez vous le permettre? Bien sûr, donne-lui ça. Star, tenez de l'argent. Allez-y, les filles. Quoi? Attendez, ouvrez la porte. On va pas pouvoir la retenir très longtemps.
trouve quelque chose. Donnez-moi une seconde. Découpe des étoiles dans du papier mousse. Ajoute des étoiles en papier mousse pailleté. Allez, dépêche! Colle le papier mousse sur un bracelet avec du scotch double face. Et voilà! Wow! Ouvrez! Alors là, je suis furieuse! Sortez d'ici! Wow! La chambre en échange du bracelet! C'est le mien! Dehors! Donne-lui ton bracelet! Ouais, donne-moi ton bracelet! C'est le mien et je vous ai à l'œil! Star est tellement susceptible! Je veux rentrer à la maison! Portail! Portail! Ça marche pas! Sois pas triste, regarde ce que j'ai là! Un diadème devrait t'aider! Oh, mais bien sûr! Avec un diadème, ça devrait ouvrir le portail! Et on va le faire nous-mêmes! Avec quelques fournitures et la magie des étoiles. Enduis des brochettes en bois de peinture acrylique. Fixe des étoiles en papier mousse dessus. Fixe les brochettes sur une grande étoile à l'aide de colle chaude. Fixe une base ronde avec une épingle à cheveux au milieu. Quel beau diadème! Croisons les doigts pour que ça fonctionne. Allez, allez! Un canard, papite? Oh, le diadème a rien fait du tout. Mon diadème! Il sert à rien. Bon, j'ai un papite au moins. Plus maintenant! Ah, il y a des choses qui ne changent jamais. Voyons ce qu'il y a d'autre dans cette pièce. Trop ringard ces trucs, non? Pff, des sacs bidons, aucun intérêt. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? De beaux tissus? Je vais faire quelque chose d'incroyable avec. Je le découpe. J'ai plusieurs pièces de tissu. Découpe un croissant de lune dans du tissu bleu. Je couds. Découpe un cercle en ouate et coule-le dans le tissu principal. Ajoute les parois du sac. Assemble les pièces. Qu'est-ce qu'elle fait? Du velcro. Ajoute un fermoir. Et des strass. Décore le sac avec des chaînes de strass et des perles. Fixe une poignée. Une pincée de magie lunaire. Badabing! Et le sac de mes rêves est terminé. Où tu vas comme ça? Chez le docteur magique? Il va pouvoir s'occuper de Star. On y va! Stop! J'ai failli oublier les porte-clés. Maintenant, on peut y aller. Attendez-moi! Le monde doit savoir tout ce que j'ai accompli. Je vous attendais. La boule de cristal a prédit que vous viendriez. Hey, on a emmené Star, elle a besoin d'aide. Ma magie a disparu. J'arrive pas à faire apparaître de portail. Je le savais. Je vais tenter de t'aider. Qu'est-ce que c'est? Où ça? La voilà! Cette poudre magique va t'aider. Enfin! L'argent d'abord! Il veut du fric! Voilà! On a eu de la chance cette fois! Attention, faites place à la magie! Alors? Oh non, c'est trop! Mauvaise poudre, on recommence! Oh! Qu'est-ce que t'as fichu? Prends ça! C'est pas ce que je voulais faire! Star va bien, on se tire! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a beaucoup de flacons ici! Wow! On va faire une expérience. Pour créer un portail, on doit utiliser les bons. Non, non! Pas d'expérience sans lunettes. Des gants. Des lunettes. Je porterai pas ça, moi.
Je vais fabriquer mes propres lunettes. Coupe la partie supérieure de la monture. Ensuite, la peinture. Enduis-la de peinture acrylique. Je vais ajouter des étoiles scintillantes. Attache des chaînes de strass. Je vais prendre ça. Découpe des croissants de lune dans du papier mousse et attache-les au bout des rubans. Décore-les avec des cristaux. Mes lunettes sont prêtes! C'est bien plus que des lunettes, elles créent un effet de lune. Je peux essayer, s'il te plaît? Bien sûr! Oh, fabuleux! Fantastique! On va passer à l'expérience. Le concours de la reine de l'université va bientôt commencer. Vous devriez y participer. Je suis prête! Moi aussi. Et moi alors? Je serai prête dans une minute. Coupe deux couleurs de franges différentes au bord d'une épaulette. Attache une chaîne de sequin le long du bord extérieur. Découpe plusieurs parties d'un soleil dans de la feutrine et remplis le milieu avec de gros sequins. Et de l'or! Attache une chaîne de sequins tout autour. Encadre les rayons avec des sequins. Colle-le sur l'épaulette. Remplis les espaces vides avec un ruban de sequin. Les filles, je suis prête pour le concours! Magnifique! Réveille-toi, on doit y aller! Merci, merci! Bouge de là! Les nouvelles reines de l'université sont là! Merci pour le trophée, on vous adore aussi! Bravo à nos reines de l'université! Sun, Star et Moon! C'est la fin! C'est le pire jour de ma vie! On a gagné! Mais elle est tellement triste! Je veux pas de fleurs! Rien ne me fera plaisir car c'est plus moi la reine de l'université! Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais! Hé, les amis! Lâchez autant de likes que possible pour que Ashley redevienne populaire. Ça va durer encore longtemps? T'as oublié le petit doigt. C'est bon maintenant? Essaie de faire apparaître le portail. Un instant. Allez! Non, toujours pas! Le massage, ça a pas marché. Je le raye. On est à court d'idées. On fait quoi maintenant? Star, c'est quoi le problème? Je me suis cassé un ongle! Oh non, je vais t'aider! J'ai la solution. Trouvé! Une boîte de faux ongles. Tu vas avoir une nouvelle manicure. On n'a plus qu'à les coller. Fastoche! C'est fait! Mes ongles sont incroyables! Je sens le pouvoir monter! On rentrera jamais à la maison. On va rester ici pour toujours. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui! On doit combiner nos pouvoirs. On va fabriquer une ceinture magique pour nous relier toutes les trois. Découpe des rayons de soleil dans du papier mousse. Découpe deux cercles en feutrine. Forme un soleil. Remplis le milieu avec un ruban de sequin. Ajoute des pointes pour décorer. Attache des chaînes sur les côtés. Et voilà! Moon! Tiens! Star! C'est bon! Attache la chaîne à ton bracelet. Ah, c'est vrai! Voilà! On rentre à la maison! Où on est? Je suis vraiment perdue. Il y a une sorte de plan ici. Ça me plaît. Star, t'en penses quoi? Un autographe? Pas de souci. Oh, Star, t'es sans espoir. On va passer à la construction. Star va aller là. Et le soleil, juste ici.
on va commencer à peindre. Super idée! J'aurais bien besoin de nouveaux ongles. Mais d'abord, on va enlever tout ça. Il y a tellement de planches! Star, c'est pas un endroit pour se faire les ongles. Je vais utiliser ma magie des étoiles pour tout ça. C'est vraiment pas juste! Ok, il est temps de se mettre au travail. Utiliser une scie, c'est super marrant en fait! Par quoi je commence? Oh, je suis tellement maladroite! On va assembler le cadre. Waouh, c'est solide! C'est que le début! Je m'en sors plutôt bien. Star, c'est pas comme ça qu'on utilise une perceuse! C'est beaucoup plus simple et rapide comme ça. Tiens là, et nous, on va fixer cette planche. T'as terminé le cadre? Waouh! Salut toi! Regarde ce super cadre de chambre secrète qu'on a fait! La couleur du ciel de nuit, c'est ma préférée. L'étage est à moi! On se calme! Vous devez régler cette dispute comme des adultes. Star aura l'étage. La lune aura le bas. Peu importe. Mon lit sera de la plus belle couleur. Plus c'est jaune, mieux c'est. Et moi, je vais finir mes ongles. Comment elle fait pour peindre avec ce pinceau minuscule? Je vais lui en trouver un mieux. Lune est partie. Tiens, un vrai pinceau. Je peux pas encore peindre. Soleil! Fais quelque chose pour ses ongles. J'active mes lumières UV. C'est bon! Commence à peindre maintenant. Oh, le matelas est tellement lourd! Je vais utiliser ma magie. Merci les garçons, vous êtes des super-héros. Mettez le matelas ici. Notre travail est terminé. Bien sûr, un autographe. Je suis quelqu'un de généreux. Quoi, mais qui va payer pour ça? Ils abusent! D'accord, tenez! On est riche! Je reste calme! Le lit est fait! Ouh, cette couleur est vraiment chic! Il manque quelque chose! Oh, je sais! Avec un peu de magie, j'aurai de superbes rideaux! Il y a une lune et des étoiles dessus. Le marteau, c'est mon outil préféré. Je veux aussi un relooking magique. Allez, allez! Wow! Cool! Allô, les ouvriers? J'ai besoin d'aide. Encore eux? Accrochez ce tableau là-bas. Il piétine mon lit. Super! Merci pour votre travail. C'est l'heure de nous payer. Merci, vous êtes trop sympa. Et l'argent alors? Non, pas ça. Attendez. Je veux plus de brillance. Super. Tu fais un coussin? J'en veux un, moi aussi. Presque terminé. Ça marche pas! Je viens de piquer tous les doigts! Et voilà! Soleil, aide-moi! Ok! Tiens, un coussin pour toi! Il est merveilleux! Qu'est-ce que c'est? Une ombre bizarre!
Miam miam miam! Je vous ai eu! Vous avez eu peur? C'est mon nouveau cousin! Quelle sale blague! Refais plus jamais ça! Oh, comment je suis censée descendre? J'ai le vertige! C'est pas si haut! D'accord. Une étoile filante? Fais un vœu! Réveille-toi, ça va? Bon, on va te faire une échelle. Merci. Top là! Ah, c'est une peine perdue. Ma perceuse adorée. Tu mérites une place spéciale. Comme ici, par exemple. Dégage ça! Mais qu'est-ce que t'as fait? Comment oses-tu traiter mes outils comme ça? J'ai trouvé! J'ai une super étagère pour mes outils! Je vais la mettre là où tout le monde peut la voir. Et voilà! Hé, c'est quoi ça? Arrête tes sottises! J'ai besoin d'étagères, moi aussi, s'il te plaît. Non! Regarde-les déjà! T'as gagné! Je vais les visser. Juste ici? Wow. Voilà, t'es contente maintenant? J'adore! Maintenant, tout est à sa place. J'ai oublié mon oreiller. Oups! C'est l'heure d'aller se coucher. Bonjour! Wow. Trop cool! Wow. On va saupoudrer du poivre sur Star. Non, on devrait plutôt la chatouiller avec une plume. Ok. Coucou, Star. Éternue encore, s'il te plaît. Non. Incroyable. Je m'y attendais même pas moi-même. Je dois maquiller mes cils. Oh, il me faut absolument un miroir. Alors, voyons voir. D'où vient ce reflet? Les paparazzi et les caméras sont déjà là. Je peux pas dormir. Soleil, laisse-moi accrocher ton miroir. Ici, c'est bien. Ah, je t'en dois une. Il n'y a pas de caméra? J'arrive pas à dormir. J'ai besoin d'une veilleuse. Je veux une lampe, moi! Et je vais la tricoter. Que fabrique Soleil? J'aime bien tricoter, moi aussi. Oups! J'ai terminé! Qu'est-ce que c'est? Je l'ai fait pour toi. Magie du soleil, allume cette lumière. Ça a marché! La lumière de la lune est la seule à être autorisée à briller la nuit. Le soleil doit briller. Lune! Soleil! Lune! Soleil! Josie arrive! La voilà!